Salut la team, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un nouveau vlog. On est à mardi, ma soeur se marie vendredi. Obligée de faire un vlog dessus sur les préparatifs après. J'espère pouvoir le monter et le sortir. Je suis hyper contente, trop contente. Donc ma petite soeur AGM, celle qui est dans toutes mes vidéos, sauf la vidéo où on est parti en vacances avec mon monsieur, ce qui est normal. Mais voilà, vous connaissez déjà AGM, elle se marie les gars. Donc ma petite sœur, celle à qui j'ai laissé le sein. Donc trop contente, trop surexcitée, trop d'émotions. Donc voilà, bref, ça sera un vlog autour de son mariage. Toutefois, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lisa Harmonie Gambella ou alors H pour les intimes. Welcome! Là, je suis passée au Leclerc vite fait pour prendre les dernières choses qui me restent pour pouvoir. Vous savez, je fais en fait la chambre, la déco de la chambre. Comment on dit ça? La chambre nuptiale. Voilà, ça. Donc, il fallait que j'achète deux, trois petites choses qui me restaient, genre shampoing, chocolat. Comme le mariage, il se passe à Nantes et qu'il y a ma mère qui vient aujourd'hui sur Paris. J'en profite pour le faire maintenant, comme ça elle monte avec déjà sur Nantes et j'aurai plus qu'à récupérer quand j'irai là-bas. Je suis tellement gentille, je vais même lui prendre des gâteaux préférés alors que c'est même pas prévu. Bon. Là, t'as vu comment je suis gentille, hein. Finalement, j'en profite aussi pour faire les courses pour les enfants pour tout le long du séjour quand on sera à Nantes. Donc j'ai goûté les desserts compotes, voilà, les petits trucs comme ça quand l'enfant, des fois, on est en déplacement, il ne mange pas bien. Donc c'est bien d'avoir toujours des petits goûters, etc. Donc voilà, ça c'est les trucs de maman, on se comprendra. J'ai fini ma mission course, je suis rentrée à la maison après ça, j'ai fait à manger pour ce soir, pour demain, pour comme mon mari reste à la maison avec mes enfants. Ensuite j'ai aussi fait à manger déjà pour quand on va revenir le soir parce que bon, je serai très fatiguée. Je suis là. Coucou. Secours. Enfin bref, donc je disais qu'après mes courses, je suis rentrée à la maison, j'ai fait à manger. Pour aujourd'hui, pour le soir, pour demain, comme je pars demain pour quand même mon mari, quand il va rester avec mes enfants. Donc voilà, pour ceux qui ont vu mes précédents vlogs, quand je me déplace, je fais toujours à manger à la maison pour que mon mari n'ait pas à se prendre la tête et qu'il ait qu'à s'occuper des enfants. Donc moi demain, je pars déjà en direction de Nantes avec les deux petits, où aura lieu donc le mariage, et mon mari vient jeudi avec les deux grands. Et donc là, je me dirige à Châteaurouge, donc je suis même déjà pour rejoindre ma mère et ma soeur. Palme d'or de retour dans mes vlogs. J'allais filmer la mariée, la future mariée. Donc voilà, on a J-. J'arrive pas à dire on a J- combien. J-2. On a J-2. Ah oui, J-2 de la dot. Oui, après le 30 c'est J+1. 12 seconds later. Donc ici c'est la manucure de AGM. Moi je vais pas faire ici en fait. Au final je voulais voir mais bon, ça m'a pas trop plu. A few moments later. Pardon. Sinon, t'en penses quoi vouloir? Moi j'aime bien. Ça va. Très bien. Ouais, avec le truc et tout. Ça va. C'est les pétages, il faut péter. Là, c'est pas ça trop de pétages. Non, on va bien voir les baskets par contre, ça c'est chaud. Voilà, faut qu'on. Tu gicelles un peu? Ouais. Oui, c'est bon. En fait, c'est au niveau du C là. Ah, bah, allez. C'est notre couturier Kader, le meilleur de Paris, je veux rien savoir. Ah, cool, canard. Ici, c'est la compétence et non l'influence aux médias. Ouais, je voulais se resserrer. J'ai ça qui de, oui, qui de, allez.
Non mais ouais, il faut juste resserrer parce que je me sens pas vraiment pas du tout serré. Ouais. Ouais. Même au niveau, non, c'est chic hein. C'est très chic. Ouais. Ok. Maman Zeze. Ouais. Ah, c'est joli comme une jasque. Lélo, lélo, lélo. Elle répète son entrée avec son mari. Lélo, lélo. Maman. Vous avez dit comment? Today is today. Today is today. Dobre dom. Allez dans les pétages. Ok, pas de pétage activé. Maman, faut juste un peu faire un peu plus. Un peu plus par contre, j'ai plus de copines. Ça, on resserre, faut bien que ça prenne le bras en fait, tu vois. A few inches later. Et les gars, il est 23h10. On a toujours pas fini. One eternity later. The next day. One hour later. Later. Tomorrow. Donc là, on est à l'hôtel. On est arrivé hier soir. Comment vous dire que j'étais vraiment fatiguée. Je me sentais pas bien tellement la veille. J'ai fait clairement plus de 24 heures sans dormir, sans même manger. J'ai pas eu le temps avec tout ce qui concerne les préparatifs, courir à gauche, à droite, aller chez la coiffeuse, faire ceci, faire cela, accompagner ma soeur et tout, donc préparer les valises également. Pff, franchement, j'étais vraiment KO. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai voyagé avec mes deux filles. Il y en a une qui est là en train de faire des bêtises. J'ai voyagé avec mes deux filles, les deux dernières. Et donc il y a Joe qui va venir ce soir avec les deux grands. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu maries quelqu'un de ta famille, genre ta sœur, c'est trop intensif. Franchement, j'ai jamais été, je crois, aussi fatiguée de toute ma life. Franchement, même à mon mariage, c'était pas comme ça. Franchement. Après, bon, je me dirais maintenant, parce que j'ai quatre enfants à gérer en même temps, que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, vraiment très intensif. 20 minutes later. Bah, tu peux pas me les envoyer par message? Ouais, on voit par message. Ouais, bah, on voit mal les cas, c'est des digicodes. Ah oui, note la vidéo quand même. Vite, regarde, vite! Hours later. Donc j'ai pris le beurre, je vais déjà à la tot. AGM, elle se prépare toujours, elle se fait maquiller. Donc là j'ai pris mes bébés et puis je suis partie. Je vais me changer là-bas directement pour être à l'aise. One eternity later. Yeah, yeah. A few moments later. Ouais, bah, personne comme on a mal. Le fruit de ta sœur. Ouais, grave. Meanwhile, Oh non.
Ah oui, sinon, bon, il y a au foot, il n'y a pas de jambes. Tout est sans alcool. Ah oui. Vas-y, des éclairs. Mon carrière est au béba. As-tu le mieux? Si vous voulez, là j'ai un code promo les filles. Non, en fait là on est en attente. Bientôt on va la faire sortir. Ils sont en train de négocier. Bah, Pessigno Soto, hein. Pas de chichi, pas de truc, pas de... Bah, Pessigno Soto, tu mérites, hein. Vraiment. Hein? C'est ta bois noire. T'as la bois noire. Elle s'amuse. Sans hydroquinone. Coucou. One eternity later. Tu peux, hein, ma chérie. Le temps de me laver et déjà que c'est l'heure de aller se faire maquiller, etc. Donc j'ai même pas dormi, je cherche la chambre, j'ai même pas dormi, j'étais chez mon frère et après la dot, etc. Bah fallait ranger, j'ai lavé toute la vaisselle, donc là du coup on est rentré super tard et déjà que c'est l'heure d'aller voir la maquilleuse et la coiffeuse. Arrête. Regarde, voir. Ça va, toi? Ça va. Bon. Comprenez, hein, j'ai pas eu le temps de dormir. On n'a pas dormi, nous tous. Vous voulez voir la robe ou pas? Je pense qu'ils ont déjà vu. Bon, allez. C'est un peu petit, hein, mais on va se trouver une solution. Waouh. Regarde. C'est terrible, ça va? Ouais, c'est bon. Allez. Eh bon. Vous avez déjà vu? Bon, suivez-moi. Bon, là, c'est pour mes nièces, hein. Même si Louis, c'est mieux. Du coup, j'avais toujours pris un en plus, pas aucune. Une. Et Siona, elle a pas grand? Ben, Siona, elle était pas encore née quand j'ai commencé. C'est ça. Quand t'as commencé, j'étais dramatique. Elle est trop mignonne, elle a rangé. Petit cadeau pour cette demoiselle d'honneur. Le bébé d'honneur. Après, j'ai fait du nourrisson d'honneur. Salut maman. Maman, ça va? Ça va. Et... pas trop fatiguée? Tu zones une copine. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et tu zones. Qu'est-ce que tu fermes? Je personnalise tes chaussures. Regardez-moi ça. Nickel. Très intéressant. Quand on vous dit qu'elle sait tout faire? Maman, elle sait tout. Ça va faire bien. Ouais. Avec la grosse semaine, encore mieux. Ouais. A few moments later. One hour later. Je n'étais
pas qualifié. Aha. N'avait pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore t'imaginer dans les espoirs. Et un beau jour tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise. Two hours later. Et pourtant sur ma tête lui se lève. Je suis le choix de Dieu. Je le parle. Zunda, ici présent. Oui. On n'a pas entendu, hein? Oui. 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 Se présente. Lui. Angelica Gloire Makumba et Jonathan Zunda sont unis par le mariage. Félicitations! Yeah! A few moments later. Waouh! Là, c'est le début de l'entrée. Depuis le jour où je t'ai ouvert mon cœur, depuis que tu as établi ta demeure, Jésus, tu connais tout de moi. Aucun jardin secret ne se trouve. Later. Mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent. Oh, c'est bon, il a pris ma sœur. Il l'emmène en Allemagne. Non, franchement, félicitations. Aux adjo. C'est un jeu de mots. J'aime bien. Ils sont venus.
One eternity later. Arrivé à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Vous remarquerez peut-être ou pas, en tout cas je le dis, j'ai forcé le vlog parce qu'il s'agit de ma petite sœur et j'ai envie d'immortaliser ce moment là et j'ai même envie de partager avec vous en fait les petites choses que j'ai vécues. Il n'y a pas les plus pertinentes clairement parce qu'il y a des moments vraiment vous voyez les pleurs, j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu la réflexe de prendre mon téléphone et d'aller filmer, mais voilà, quand même il s'agissait de ma petite sœur là, donc ouais, j'ai forcé et puis ce moment-là, il ne m'arrivera pas deux fois parce que de mon père et ma mère, j'ai qu'une seule sœur. Je dis communément la fille de mon père, la fille de ma mère. Ça veut dire que quand je dis la fille de mon père, c'est les enfants des frères et sœurs de mon père. Parce que chez nous, on ne dit pas cousine, on dit sœur. Et quand je dis la fille de ma mère, ça veut dire que c'est les enfants des frères et sœurs de ma mère. Donc en réalité, mes cousines, mais nous, on ne dit pas ça, on dit sœur. Mais donc du coup, de mon père et ma mère, j'en ai qu'une seule. Vous voyez, donc c'est pour ça que là, non, j'ai forcé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, que le Seigneur vous fasse du bien.